Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On poursuit l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Life sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Harlan. Revelio. Petite maison. Le noir des hébrides est un gigantesque dragon qui peut atteindre jusqu'à 9 mètres de hauteur. Archie Brinkle en possède une imposante écaille régulière qu'il conserve précieusement dans sa cachette. Ah, d'accord. J'ai chaud, j'arrive de marcher. Sur la bonne voie. Revelio. Et encore, t'as jamais goûté au ragoût de champignons de ma mère. Les champignons étaient aussi gros que des laitues. Un campement. C'est sûrement ici. Protego. Depuis des années, vraiment. Je pense pas avoir besoin de remanger avant la semaine prochaine. On dirait qu'il y a plusieurs moyens d'entrer. Hart s'en voudra de ne pas nous avoir rejoints. Il ne change pas d'avis rapidement, il servira de distance. On aurait dû tuer ce prêtre d'Arn quand on s'est emparé de ses chariots. Action! Que me réserves-tu? Ranrock nous guidera vers la victoire! Incendio! Action! Les vieux sont... Protego.
me bats depuis bien avant ta naissance. Les deux sont. J'ai perdu mes actions. Tu retardes l'inévitable. Tu vas souffrir. Action. Je ne m'arrêterai pas avant de l'avoir. Tes sortilèges ne m'atteignent pas. Protégo. Les acrobaties ne feront que retarder l'inévitable. Je ne m'arrêterai pas avant de l'avoir tué. On dirait que tu n'y tiens pas tant que ça. Je sais ce que cela représente, une épreuve de Merlin. C'est incroyable. Bon, il faut libérer les chariots d'Arne. Bon. Leviosa.
Action. Les vieux sont. Quelque chose que je suis curieux. Comment je l'ai fait celui-là? Fallait esquiver. Ah, ils sont là. Suivi. Action. Plus que un. Action. Rébellion. Il y en a d'autres là, il y en a d'autres là. Ils sont peut-être ailleurs, hein, au bord de la clôture. Réveillon. Il y a un coffre là. Hein. Impressionnant cet enchantement. Les chariots reviennent vers Arne. C'est rien à deux. Rébellion. Oh.
Qu'il y en aurait un à l'extérieur, peut-être? Effectivement, il y en a un à l'extérieur. Rebellion. Est-ce que les pierres sont à l'intérieur? Rebellion. C'était par ici qu'il était tantôt, il y avait des gobelins. Là. Il y a de la lumière maintenant, je vais aller voir à l'intérieur, voir s'il y a des boulettes que j'ai manquées. Juste avant, je vais regarder plus près ici. Parce qu'il est là. S'il est là... Je vois rien du tout. Ah, peut-être à l'intérieur. Je crois qu'ils sont si loin de ça. J'aurais pas le choix de ratisser un peu plus proche, je sais quoi. Ratisser un peu plus loin plutôt. Boîte là, c'est bien caché là-dedans. Rebellion. Ah. Action. Là. Et là. Un coffre, est-ce qu'ils sont là? Non. Il y a une cape, mais c'est pas que je me. Les meilleures lunettes, ça marche pas, plus basse. Au level 17, c'est bientôt. Niveau chapeau. Lui est meilleur, lui est moins bon, mais lui est meilleur. Nouvelle cap. 47. Une nouvelle ensemble. Et moins bonne. Bon. Collection.
Ah, plus bas aussi. On le voit là, clairement, mais... Peut-être si, j'ai pas fouillé plus qu'il fallait. Revelio. Bon, je vais soupçonner que c'est à l'extérieur. Salut Gabifou. Je vais faire une autre vérification, puis ils semblent vraiment pas être ici. Rien là. Revelio. Ainsi. À l'intérieur, on a déjà vérifié. Je suis pas mal sûr que c'est à l'extérieur. C'est un endroit que j'ai pas vu du tout. Bon, ben là pour une fouille extérieure. Ben, comment loin? C'est l'affaire. Oh, qu'est-ce qui est ça? Comment loin je dois me diriger pour essayer de les trouver? C'est ça qui m'embête. Et là, je suis loin, là. What's up?
Waouh. Revelio. Bah, 5 grosses pierres, ça serait pas si compliqué à trouver. Moi, je croirais que ça serait là, là, par rapport. À moins que c'est lui qui me donnerait... Non. J'ai besoin d'aller voir là... Parce que ça... S'il me donne rien pour me récompenser, comme les boulets... Ça veut dire que ça... Revelio. La tête trop stupide qui arrêtait juste là. Ils sont là! Ça incite! Action! Les vieux sont. Ouais, faut que je le brûle. Incendio! Action! Colin! J'ai presque abandonné. J'aurais revenu après, par exemple. L'épreuve de Merlin. Et voilà, l'épreuve de Merlin réussie. Peut-être perdre 10 minutes là-dessus, 15 minutes. Terminer les épreuves de Merlin. Récompense d'extension d'inventaire. Stockage de l'équipement accru. Et il en faut 6 maintenant. C'est-tu ça de la magie ancienne? J'en ai pas. J'ai besoin de... Qu'est-ce que j'ai besoin? Il y en a une que j'ai besoin, mais je sais pas c'est laquelle. Je pense que c'est celui-ci. Expelliarmus, ouais, c'est ça. Désarmage. C'est ça que j'ai besoin. Je vais aller là. Je vais aller m'allumer une petite... Si je suis chemin là, il y a une lumière. Ça va me permettre d'arriver là plus rapidement. Elle est juste en face de moi. Et voilà. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette.
Et là maintenant, si je vais là, j'aurais juste besoin d'appuyer là. Ça serait une autre fois. Et voilà, un voyage rapide. Je me demande qui y vit. Bon, t'as vu ta charrette, là? Si vous êtes ici pour mes marchandises, je suis... Bonne nouvelle, Arne. Vos chariots sont sur le chemin du retour. Je ne sais pas quoi dire. J'avais presque perdu tout espoir de retrouver mes affaires. Les fidèles de Ranrock n'ont jamais compris ce que je trouvais aux sorciers. Merci de me le rappeler. Ceux que j'ai affrontés ne m'ont certainement pas facilité la tâche. Je suis content que vous alliez bien. Oh, j'ai hâte de retrouver mes affaires, surtout ma peinture. Vous m'avez inspiré. Je fais affaire avec des sorciers et des sorcières depuis des années. Et tout s'est toujours très bien passé. Ma prochaine œuvre rendra peut-être hommage à la beauté de notre relation. Quelle belle idée, Arne. Je vous souhaite bonne chance. J'ai hâte de commencer. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je vous souhaite le meilleur. Révélio. On retourne à Poudlard. En fait, n'importe où. On va juste se rendre là, puis on verra à partir de là. Bon. Révélio. Bon. Expelliarmus, c'est ça la prochaine affaire qu'on va apprendre. Et c'est ça qu'on doit aller. Donc, localiser sur la carte. Je suis là, je vais me rendre là. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. J'espère que vous avez fait tout ce que je vous ai demandé. Comme un grand. Professeur, j'ai terminé les derniers devoirs que vous m'avez donnés. Excellent. Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Écoutez attentivement. Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. Trempé. Expelliarmus. Beau travail. Le mannequin est là si vous souhaitez rester vous entraîner.
Expelliarmus. Vous avez l'air de progresser, mais continuez de vous entraîner. Protégo. La vie un jour. Expelliarmus. Vous travaillez encore, à ce que je vois. Les vieux. Expelliarmus. Professeur, auriez-vous un moment ? Oui ? Qu'y a-t-il ? Je me demandais si vous aviez étudié à Poudlard. Oui, je suis fière de représenter la maison Serdaigle. Pourquoi cette question ? Je me demandais si Poudlard avait changé au fil des années. Je vois. Eh bien, comme vous l'avez compris, le château est plein de surprises. Je pense qu'il n'y a pas que les escaliers qui changent ici. Quant aux élèves, eh bien, ils semblent plus dégourdis cette année. Même si vous semblez tout aussi espiègle qu'à mon époque. Lorsque j'étais préfète en chef, je fermais souvent les yeux sur les taquineries des élèves. En revanche, je peux vous dire que j'ai déjà sermonné un certain Phineas Nigellus Black pour avoir mangé des plumes en sucre en classe. Je n'avais pas réalisé que le professeur Black et vous aviez étudié ensemble. Les apparences peuvent être trompeuses. Vous savez, j'ai même été blessée par le temps un jour. Quoi que cela signifie, ça a l'air vraiment terrible. Eh bien, c'était le risque à prendre avec mon ancien poste. Vous avez peut-être entendu dire que j'avais été langue de plomb au ministère pendant des années. Une langue de plomb ? Qu'est-ce que... Ah ! Comme vous pouvez l'imaginer, je ne peux rien dire à ce sujet. Je dirais simplement que ce travail n'était pas sans danger. Bien, j'espère avoir satisfait votre curiosité pour l'instant. Tout à fait. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Continuez à travailler vos mouvements de baguette. On ne sait jamais ce qui nous attend au château ou à l'extérieur. Expelliarmus. Revelio. Qu'est-ce que vous mijotez ? Allez là. Ah, allez, je pensais y aller. Et voilà. Les méthodes d'enseignement de Ronan sont vraiment... Rébellio. S'il s'apparte à croire que cette fenêtre est une sorte d'hommage au fondateur de la maison, il s'agit en réalité d'un créateur reptilien enroulé autour d'un arbre sortant de la bouche du genre des hommes verts.
Ah, ça, c'est ceux-là avec les chandelles. Un moment, j'ai besoin de ton aide. Allez, si tu veux. Il paraît que tu voulais me parler. Tout à fait. Je m'appelle Duncan Obaus. Ravi de te rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de toi, ainsi que de tes démêlés avec des trolls et des dragons. Je suppose que tu as raison, mais je ne sais pas si je le mérite. C'était surtout une question de chance. Je préfère penser que tu mérites ta réputation, parce que si c'est bien le cas, tu es exactement la personne dont j'ai besoin. Tu comprends, l'autre jour, on apprenait à repousser les épouvantards avec le professeur Ekat et... le mien a pris la forme d'un... d'un boursouf. Ils sont adorables. Pourquoi avoir peur d'un boursouf? Ils ont l'air adorables, jusqu'à ce qu'ils te fourrent leur langue dans la narine. Peu importe à quel point ma phobie des boursoufs est justifiée, ma réputation commence à sérieusement en pâtir. Certains élèves se sont même mis à m'appeler Duncan au boursouf. J'en suis désolé. Les mots peuvent blesser. Merci. Poppy n'arrête pas de me proposer de m'aider à surmonter ma phobie, mais j'ai trop peur pour accepter. Bref, comme si ça ne suffisait pas, j'ai dit que j'étais plus courageux que les gens le pensaient et que j'étais allé dans le couloir secret du cours de botanique. Le couloir secret du cours de botanique ? Oui. Selon la rumeur, le professeur de botanique qui enseignait avant le professeur Bulbille y conservait les plantes dangereuses. À ce qu'il paraît, elles ont tellement envahi le couloir que plus personne n'ose y entrer. Je me disais que tu pourrais peut-être y aller et rapporter une preuve que je pourrais utiliser pour montrer que j'y suis entré. Une plante très dangereuse, par exemple, ou quelque chose de cette nature. Quelle sorte de plante se trouve dans le couloir secret du cours de botanique ? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais tu as vu le genre de plantes que cultive le professeur Bulbille ? Si le professeur d'avant avait les mêmes centres d'intérêt, il est facile d'imaginer que ces plantes ne sont pas inoffensives. D'accord. Si j'y passe, peut-être que j'y jetterai un coup d'œil. Superbe. Je t'en saurai gré. Si tu trouves une preuve, reviens me voir. Je te devrai une fière chandelle. What's up, Watson, comment ça va? Intriguant. Le côté du mur. C'est là-dedans. Mais c'est là-dedans qu'il y a quelque chose. Ah,
ces remparts défensifs et des enchantements de production plus puissants. On joue à ça, oui. Vers quelle heure? On protège le château de Poudlard depuis des siècles. Les anciens couloirs et les vieilles chambres des remparts recèlent bien des mystères et peuvent valoir le détour. Il y a quelque chose ici. Non, c'est plus bas. Après Big Brother, ok. Une étincelle et ces vignes sèches deviendront du petit bois. Incendio. Leviosa. Expelliarmus. Action. Revelio. Il y a quelque chose, mais je sais pas c'est quoi. On va aller là-dedans. Cette grotte doit être l'entrée du couloir secret du cours de botanique. Je dois franchir ce filet du diable. Il a l'air de proliférer dans l'obscurité, alors peut-être qu'il n'aime pas la lumière. Rébellion. Protego. Lumos. Incendio. Revelio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Réparons. Action. Action. Protego. Lumos. J'imagine qu'un bout de cette énorme tentacula vénéneuse suffirait à Duncan pour prouver son courage. Je me demande si le filet du diable protégeait quelque chose. Lumos. Action. Incendio. Lumos. Réparo. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Incendio.
Lumos. Incendio. Réparons. Rebellio. Incendio. Ok, mais qu'est-ce que ça m'a donné de faire ça? Rebellio. Lumos. La masse a l'air énorme. Non, il est grand, là. Lumos. C'est juste ça qu'il y avait, André, je trouve que... Rebellio. En tout cas... qui aurait pu avoir mieux. Ouais, du ranked, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas un troisième. Tant qu'on peut aller là qu'on veut. Le soulagement de comprendre enfin pourquoi ce portrait était vide. Et va où? Et voilà, un nom de trouvé. Et voilà. Révélo, c'est pour révéler des affaires. Quand il y a quelque chose à révéler, ça fait un petit bruit, un petit ding. Est-ce que mon chapeau est meilleur? 39, 37. Chapeau est meilleur. On a une nouvelle ensemble. Qui n'est pas meilleur. Une nouvelle écharpe,
qu'on peut maintenant pas encore utiliser. 47, 39, 39. Les deux sont pas meilleurs. Ouais. Rebellion. J'ai entendu dire que tu protégeais Préolard des trolls. Elle ne va pas non plus risquer ta peau. Tu as trouvé quelque chose pour que je prouve mon courage? Et voilà. Bonjour Duncan. J'ai la preuve qu'il te fallait. C'est une feuille. Cette tentacula vénéneuse devait être. Ben, quand c'est la magie pour les combats, ça recharge un peu. Je savais que j'avais bien fait de te demander. Pas révélo, par exemple. Merci de l'avoir récupéré pour moi. Pas de problème. J'espère que ça t'aidera à te faire accepter. Quand je montrerai ça à tout le monde dans la salle commune ce soir, les gens arrêteront sûrement de m'appeler Obursouf. Ça devrait prouver à Everett que ce surnom est ridicule. Merci encore, et passe une bonne journée. La mienne le sera. Merci de m'avoir aidé. On ne m'appellera plus Obursouf de sitôt. Je vais juste me rendre à un prochain duel. Après ça, on va arrêter là. Parce que je vais aller me faire du brocoli pour mon souper. Revelio. Quel soulagement de comprendre enfin pourquoi ce portrait. Ah tiens, il y a quelque chose là, je peux-tu y aller? Et voilà. Rebellion. J'ai attendu ça sonner. Et voilà. On dit que les cloches des trois sœurs tiennent leur nom des trois belles collines écarpées qui s'élève majestueusement au-dessus d'un vallon dans l'Algilshire. La légende veut qu'on les entende dans ce vallon. De l'autre côté des Highlands, lorsqu'elles sont sonnées au château, les habitants de la région sont déconcertés par ce mystère carillon depuis des années. Et là, j'ai pas encore l'affaire pour ouvrir les serrures. Là, il y a encore... Ça se peut qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Des fois c'est facile à trouver, des fois c'est moins facile. Ah, c'est lui ça qui veut un duel. Donc ça va être ça tout de suite. On va sauvegarder. Ah, c'était tout pour l'aventure du jeu. Hogwarts Legacy Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!